C'est ici, entre Mapou et Piton, que le drame a eu lieu. Trois morts et un blessé, c'est le lourd bilan d'un accident de la route survenu dans la soirée d'hier. La voiture que conduisait le constable Uchapa, 35 ans, avec à ses côtés son frère Richie, 36 ans, et à l'arrière Priti, 32 ans, l'épouse de ce dernier, est entrée en collision avec une Ford Kuga. Johan Grappels, un ressortissant belge de 50 ans, était au volant de ce véhicule. Son épouse était à bord. L'impact a été d'une rare violence. La Nissan Bluebird que conduisait le policier a été réduite en un amas de ferraille. Il est mort sur le coup. Son frère Richie est lui décédé en route pour l'hôpital alors que son épouse Priti a perdu la vie aux soins intensifs de l'hôpital du Nord quelques minutes après son admission. Quant à l'épouse du Belge, elle a été admise dans une clinique. Elle souffre de fractures au bras.